Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 11 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin pour ce 11 juillet, imprimez le positif. C'est important d'imprimer le positif. Lorsqu'un événement négatif, ou du moins que nous percevons comme tel, n'est-ce pas, vient contrarier nos projets, eh bien nous lui accordons une importance démesurée. Nous nous focalisons sur lui jusqu'à perdre toute lucidité. Eh bien, c'est dommage que nous ne dépensions pas la même énergie à remercier la providence de tout ce qui nous arrive de positif, n'est-ce pas? Mais non, seules les contrariétés retiennent notre attention, alors que les bonnes choses sont considérées comme normales et vite oubliées. Si nous avions la sagesse de faire le contraire, eh bien, la vie nous paraîtrait beaucoup plus douce et plus belle. Donc, imprimons le positif. Très beau message encore, hein? Alors aujourd'hui, j'ai pigé la résistance. La résistance. Pour certains d'entre vous, vous faites face peut-être à une situation qui est extrêmement difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes peut-être épuisé physiquement, vous êtes peut-être aussi épuisé mentalement et émotionnellement, puisque vous résistez à ce qui est. Cette carte, eh bien, elle vient vous livrer le message suivant. Il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse, n'est-ce pas, et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas résister à tout. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps, eh bien, d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit un départ, ou encore une fin de quelque chose. Acceptez, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation, un jour à la fois, en vous répétant le mantra suivant, juste pour aujourd'hui. J'accepte. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages. Et conservez-les précieusement parce que c'est ce qui vous fait avancer. Car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Tout a une signification, n'est-ce pas, dans tout ce que nous vivons. Rituel de la souplesse. En un, eh bien,
afin d'accepter ce qui est. Je vous le conçois, c'est pas facile. Vous devez d'abord, être honnête avec vous-même et vous devez reconnaître ce que vous n'acceptez pas. Permettez-vous, permettez-vous d'aller au-delà des apparences et identifier vos besoins bafoués, vos rêves mis de côté ou encore vos valeurs transgressées. En deux, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour me permettre de modifier la situation? Et ensuite, réaliser une multitude de petites actions afin de changer progressivement la situation. Et enfin, en trois, tout simplement accepter ce qui est vous permet de ne plus remettre en question les événements de la vie que vous vivez actuellement. Dites-vous que tout est temporaire. De nouveau, un très beau message, n'est-ce pas, sur la résistance. Avec cet oracle, on peut faire un travail sur soi fabuleux. Je termine par la pensée positive. La vie est magique et remarquable. Quand je vois la vie comme étant magique et remarquable, je me lie d'amitié avec Dame Chance. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.